Hey Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser ce grand manoir en bois moderne sur Minecraft. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, donc j'espère que cette maison là vous plaît pour la reprise, hein, c'est quand même plutôt sympathique je trouve. On va faire un petit peu le tour quand même pour que vous puissiez la voir sous toutes les coutures. Et ce que l'on peut remarquer évidemment en premier lieu, c'est donc le fait qu'elle a deux terrasses. Vous voyez, une terrasse basse, hein, juste au-dessus du reste de la plaine, et une terrasse haute, qui sert vraiment de piédestal à la maison, qui la met sur un piédestal, justement, qui permet de sublimer sa magnificence, on pourrait dire ça comme ça. Vous voyez, avec des terrasses comme ça, de part et d'autre, à chaque bout de la maison, des terrasses couvertes. Oui, tout à fait. On est sur une maison de luxe, je pense qu'on peut le dire, hein, vous voyez ça. Regardez, quand on est sur la plaine, hop, vous voyez à quoi ça ressemble. Est-ce que ça n'a pas de prestance? Est-ce que ça n'a pas de la prestance, franchement? Dites-moi ce que vous en pensez de la maison, du coup, dans les commentaires de la vidéo. Et sur ce, on va commencer le tutoriel tout de suite. Je vais vous montrer le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour le réaliser. Ok, donc voilà, j'ai enlevé les shaders pour qu'on puisse y voir un peu mieux. Et on va tout de suite faire le socle lui-même. Donc on va commencer par le premier niveau, donc la première terrasse. Ok, l'idée, alors j'ai mis les dimensions ici sur le petit panneau. Hop, en tout, on a 93 blocs de large sur 177 blocs de long. Donc, c'est-à-dire qu'entre ici, le bout là-bas et là-bas, vous en avez 93 blocs. Et entre le bout là-bas et là-bas, il y en a 177. Donc voilà, comme ça, vous avez à peu près la place qu'il vous faudra. Donc, on va commencer en partant de cet escalier. Donc l'escalier, on va le mettre en 5 blocs de large, du coup, des escaliers en diorite poli. Et voilà, sur 2 blocs de hauteur. Donc on va mettre notre premier contour de la terrasse, du coup, avec des escaliers en diorite poli, puisque comme vous pouvez le voir, lorsqu'on regarde comme ça, on voit bien que ce sont des escaliers qui sont posés à l'envers. Mais vous voyez bien qu'il est à un bloc au-dessus du reste de la plaine. Ici, on va mettre près de l'herbe en dessous. Mais c'est plus facile de mettre des escaliers en premier sur tout le pourtour comme ça. Et je vais vous donner du coup les dimensions pour poser les escaliers à l'envers du coup, ok? Ok, on va se déplacer un petit peu sur le côté pour ces dimensions là. Ok, maintenant on va sur cette partie là. Et maintenant on continue ici, même si c'est la même chose que l'autre côté en face, hein. Hop, on continue ici. Voilà, et donc en gros vous pouvez vous rendre compte que les dimensions ici et là, bah, donc du coup sont exactement les mêmes que ce qu'on avait ici et ici. Et donc l'idée c'est qu'on va avoir un socle qui est symétrique. Du coup tout ce que je vous ai montré comme dimension de ce côté là, en fait ce sont les mêmes de l'autre côté, vous voyez. Donc normalement vous devriez avoir ça à la fin, avec du coup nos 5 blocs de milieu ici comme ça. Alors, une fois qu'on a ça, on va pouvoir remplir toute notre première terrasse ici, vous voyez. Et donc, pour faire ça, vous voyez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des blocs de diorite, des blocs de béton gris clair en poudre et des blocs, du coup, de roche lisse que l'on va mettre de manière complètement éparpillée, complètement aléatoire, de sorte à avoir une espèce de patchwork un peu comme ça, vous voyez. Donc, ça prend un petit peu de temps puisqu'il faut tout mélanger. Évidemment, pour ceux qui ont World Edit, ça va beaucoup plus vite, mais voilà, ça prend un petit peu de temps. C'est comme ça, mais ça donne un effet sympa, donc c'est bien.
Allez, on va commencer comme ça. Alors juste, petite précision évidemment, le béton en poudre tombe. Donc du coup, vous aurez besoin de mettre un support en dessous pour éviter qu'il tombe tout simplement. Allez, on commence. Hop, donc, une fois qu'on a fini notre grande terrasse ici... Ah, ben non, j'ai pas fini, tiens, j'ai encore des trous. Hop, hop. Eh bien, on a normalement... Après, ça dépend si vous l'avez fait ou pas, mais normalement, vous avez un trou en dessous, là, vous voyez. Et c'est pas très joli, hein, vous en conviendrez. Donc, l'idée, c'est d'obtenir un résultat comme ça, c'est-à-dire avec bah, de l'herbe en dessous. Donc, un bloc d'herbe en dessous... des blocs d'escalier à l'envers en diorite qu'on a mis, plus un autre bloc d'herbe devant, histoire de donner un aspect un peu colline, en fait. Donc du coup, voilà, hein, normalement vous avez ça, et paf, on met un bloc en dessous, un bloc par devant, et normalement ça s'encoche comme ça, à côté de l'escalier. Les escaliers, du coup, c'est vrai que je ne les ai pas précisés, mais du coup, vous avez de la roche lisse à côté pour faire la rambarde d'escalier, d'accord? Et vous avez des escaliers... Du coup, de chaque côté du bâtiment, donc ici, en plein milieu, hein, comme sur le modèle. Hop, donc ici, là, là-bas, en face, là-bas, et ici. Donc vous avez quatre escaliers qui sont tous identiques. Donc pile en plein milieu du socle, ici, là, vous voyez, donc en plein milieu. Et toujours 5 blocs de large des escaliers en diorite poli. Voilà. Et donc, on va rajouter de l'herbe en dessous... les blocs d'escalier. Vous, si vous êtes en survival, évidemment, vous utilisez de la dirt, donc de la terre. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, ça, d'ailleurs. De la terre, tout simplement. Ben voilà. J'ai mis le jeu en français il n'y a que très récemment, donc voilà. J'ai besoin d'un petit peu de temps d'adaptation. Bref, du coup, voilà. On met de la bloc de terre ou d'herbe, selon vos dispositions, en dessous les blocs de diorite. Moi, j'ai encore des blocs en dessous parce que j'ai mis des blocs... de béton en poudre au-dessus, hein, bien sûr. Hop, voilà. Et on rajoute une deuxième couche, comme ça. Paf, 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 paf. Paf, 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 pouf, 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 pouf. Et normalement, c'est bon. Donc voilà, vous faites ça sur toute la longueur du bâtiment, histoire d'avoir véritablement notre premier... notre début de colline, on va dire. Ok, donc maintenant, j'ai mis directement en place la deuxième... En tout cas, le contour de la deuxième... partie de la construction, du coup la deuxième terrasse, et donc ici pour pouvoir la faire, on va tout simplement aller en face des escaliers qu'on a déjà mis, vous voyez, donc comme on a mis là, hein, vous voyez, tout est aligné, hop, et donc en face des escaliers qu'on a mis déjà, et bien on va poser, hop, ici comme ça sur notre terrasse, des escaliers, enfin des blocs déjà, de roches lisses ici comme ça en face de ceux qu'on avait mis tout à l'heure. On va même mettre ici, hop, comme ça au-dessus. On va mettre un bloc de roches lisses ici comme ça, puis après en diagonale comme ça, on va en mettre 5 au total. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on arrive au niveau où on va mettre du coup tous nos escaliers en diorite, mais à l'endroit ce coup-ci pour faire notre contour du coup de notre deuxième terrasse. Sauf bien évidemment au niveau des escaliers où là on va mettre aussi des escaliers sur toute, hop, la longueur, hop, comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre des escaliers en diorite? C'est parce que le blanc ressort mieux quand on regarde de loin, tout simplement. Voilà, donc on fait des escaliers comme ça. On peut rajouter une roche de pierre lisse en arrière ici, comme ça. Ça fait plus joli. Hop. Ok. Et donc... ces escaliers là, on va refaire exactement la même chose du coup de l'autre côté et là-bas sur les côtés aussi. Par exemple, on va le refaire ensemble. Youp. Donc, on prend notre escalier ici, on prend notre rambarde, on va pile en face, on met un bloc ici sur le côté, hop, et un autre ici par-dessus. Et après, on fait 1, 2, 3, paf, paf, paf. Alors, donc, du coup, on a bien. 1, 2, 3, 4, 5 blocs en hauteur en diagonale à partir de là. Donc c'est bon. Et hop, vous voyez. Ah oui, donc du coup je suis bête, j'ai enlevé les blocs en dessous alors qu'il fallait les garder. C'est juste une étourderie. Hop, on rajoute les escaliers comme ça. On ne les rajoute pas ici, hein, les escaliers bien sûr. Hein. On va rajouter de l'herbe à ce niveau-là pour vraiment faire une colline, comme vous pouvez le voir là-bas.
Hop, paf, 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 paf. Et voilà, vous avez un joli escalier. On va rajouter des blocs ici, comme ça aussi, de roches lisses. Et voilà, on va faire la même chose rapidement de chaque côté restant. Ok, donc une fois qu'on a mis les escaliers en place, je vais vous montrer comment faire tout le reste du contour de notre... Oui, parce que vous, normalement, vous n'avez que les escaliers qui flottent dans le vide, hein, on est bien d'accord, vous n'avez pas le contour. Et donc, du coup, c'est ça que je vais vous donner tout de suite. L'idée, c'est de partir du bord de nos escaliers ici, comme ça, ok, donc à partir de cette bloc de roche lisse. Et on va partir avec des escaliers en diorite poli face vers le haut, du coup, c'est coup-ci. Et je vais vous donner, du coup, les dimensions pour pouvoir poser tous vos blocs comme il faut. Ok, pour cette partie là, on se décale un petit peu sur le côté ici. Alors je vais me mettre un peu plus haut pour qu'on puisse voir mieux. Hop, et maintenant sur le côté à ce niveau là, je vais garder comme ça. Hop, de l'autre côté maintenant, donc c'est la même chose que juste ce qu'on a fait juste avant. Et je décale sur le côté pour refaire par ici, revenir par ici. Ok, donc normalement, maintenant vous avez toutes les dimensions pour pouvoir placer les contours du socle sur toute cette partie là. Ok, et l'idée c'est que bien sûr ce sera exactement la même chose sur l'autre partie. Vous voyez, vous prenez le symétrique, toutes les dimensions que vous avez vues là, vous les reportez de l'autre côté pour avoir l'autre côté tout simplement du socle. Comme ça, normalement, une fois que vous avez fait ça, vous avez ça devant les yeux avec les escaliers et les contours ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, faire la colline elle-même. On va vraiment finir la colline. Elle sera creuse, hein, il n'y aura rien du tout dedans. Par exemple, je vais vous montrer. Youp, paf, paf. Vous voyez, c'est tout creux à l'intérieur, donc c'est un peu une fausse colline, mais bon, c'est pas grave, ça marche quand même. On va prendre du coup des blocs d'herbe, ok, et on va venir les mettre juste à côté, ici comme ça, de nos escaliers, de notre rambarde d'escalier, d'accord. Et l'idée, c'est qu'on va partir plutôt du haut, ou du bas, enfin non, du bas, vous partez d'où vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. Et on va suivre les contours comme ça, vous voyez, paf, 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 paf. Vous voyez, comme vraiment une espèce de ligne de bloc comme ça qui suit les contours de notre escalier qu'on vient de faire. Hop, la même chose en dessous comme ça, paf, paf. Vous voyez. Vous voyez, comme ça, ça décale un petit peu à chaque fois. Et c'est plutôt joli, je trouve. Donc, c'est plutôt cool. On va finir ici comme ça pour arriver tout jusqu'en bas. Normalement, on arrivera pile là-dessus, sur la ligne qu'on avait mis au départ. Vous voyez, paf, 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 paf. Et vous voyez, ça marche super bien. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc, vous avez un espèce d'effet comme ça qui est assez sympathique, assez joli à l'œil d'avoir un espèce de décalage comme ça, petit à petit. Et du coup, on va faire ça sur toute la longueur de notre socle tout entier. D'accord? Hop, allez, c'est parti. Et hop, voilà donc, maintenant, on a fini notre socle, on a fini notre espèce de mini colline. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les barrières pour notre terrasse. Donc, les barrières, ça va être ce genre de choses-là, vous voyez. Donc, on va utiliser des enclumes ainsi que des plaques de pression en chaîne noire que l'on mettra après par-dessus. Donc il vous faudra une grande quantité de fer, hein, si vous êtes en survival et que vous voulez faire cette maison là, bah vous allez vous avez payé assez cher le votre barrière, sachant que du coup il y en aura pour les deux terrasses. Ok, donc on va faire ça, on va mettre du coup des escaliers en diorite ici sur le côté de nos rambardes d'escalier. Ok, on en mettra à chaque fois sur nos quatre escaliers. Et on va mettre une série d'escaliers en diorite à l'envers, ici comme ça.
hop, en en mettant ici dans les coins, paf 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 paf, etc etc, en n'oubliant pas d'en mettre paf dans les coins ici comme ça, du coup, pour éviter de voir, vous voyez, la terre qu'on a sur le côté ici. On en met sur le coin, hop, et c'est bon, tout est nickel. On va faire ça sur toute la longueur jusqu'à l'autre escalier, et entre chaque escalier bien sûr. On fait ça rapidement, bon j'ai quasiment fini en fait, hein. Hop, 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 vous voyez, hop, et hop, du coup, hein, dans le sens de l'escalier, et à côté, on met des escaliers à l'envers, paf, 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 j'ai des trous dans mon plancher, très bien. Donc, l'idée, ce sera de faire la même chose ici, autour de notre... notre socle, notre colline, on va appeler ça la colline, c'est un plus simple, partout, donc on va mettre après des enclumes sur tout le long ici comme ça, de cette façon, hop, et on mettra après des clous, des plaques de pression en chaîne noire dessus, je sais que j'en ai oublié un, je sais, vous inquiétez pas, hop, on met les enclumes dans l'autre sens, pour que ça soit toujours à peu près face à la terrasse, hein, vous voyez. Et après, on va faire ça comme ça. Hop. Ok. Donc, on reprend les enclumes, on les met dans ce sens-là sur le rebord de l'escalier. En réalité, il y aura même un rebord comme ça. Ça finira comme ça. Et on va rajouter, évidemment, des plaques de pression sur les enclumes. Ok. Donc il faudra faire ça partout, encore une fois, pareil. Ici, on va reprendre les enclumes et on va les mettre, paf, paf, sur le rambarde d'escalier et partout, sur tous les escaliers à l'envers qu'on avait mis au tout départ. Ok, pareil, de la même façon, jusque l'autre escalier. Hop, hop, comme ça aussi sur les rambardes d'escalier, on va reprendre, tant qu'à faire, hop, les plaques de pression, hop, hop, et on les met par-dessus, yop, ok, voilà donc ce que ça donne, et l'idée c'est qu'on va faire ça sur tout le contour du coup de notre socle, allez hop, de notre colline, on a dit qu'on appelait ça une colline, paf, 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 ok, voilà ce que ça donne du coup, une fois qu'on a mis nos barrières, ce qu'on va faire maintenant c'est que l'on va mettre le grand socle, la notre deuxième terrasse, notre grande terrasse du dessus, et donc on va faire un peu la même chose que ce qu'on avait fait ici sur notre première terrasse, c'est à dire qu'on va reprendre les blocs de diorite, les blocs de béton gris clair en poudre. Alors si vous n'avez pas envie de vous embêter avec du béton en poudre parce que ça tombe par terre et que du coup vous avez besoin de mettre un socle en dessous, prenez autre chose, un autre bloc gris. Ici j'ai pris du béton gris clair parce que ça donne bien, ça rend vraiment bien au niveau de la texture. Pour lorsqu'on regarde de loin, vous voyez, ça donne vraiment plein de petites nuances de gris, mais sans que ça soit choquant. Voilà, j'ai essayé plein de blocs, hein, donc... mais si, voilà, vous êtes embêté par le bloc de béton gris en poudre, bah voilà, prenez autre chose, c'est pas grave spécifiquement. Mais, moi, je vais les reprendre quand même, et l'idée, c'est qu'on va refaire plein de blocs aléatoires dans tous les sens sur cette surface-là. Donc, ça va demander beaucoup de blocs, mais c'est pas grave. Moi, du coup, je vais mettre... des blocs comme ça en dessous pour soutenir et un peu des blocs au hasard comme ça sur le reste de la surface, hop hop, avec des blocs pour soutenir les blocs de béton en poudre bien sûr, voilà, et petit à petit ça va se remplir. Ok. Donc on en a fini pour le socle, la colline comme j'aime l'appeler, pas tout à fait en fait, il nous reste encore les barrières à finir finalement, hein. On va reprendre les enclumes une fois qu'on a fait toute cette zone là, et on va les mettre ici sur le côté, paf 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 paf, hop, pour faire tout le tour du socle, hein, classique, comme on a fait juste en dessous, et on rajoute évidemment, voilà, il y a aussi les blocs de roche lisse à mettre au-dessus des escaliers comme ça, pour faire un peu la rambarde, hop,
Je sais pas si je les avais mis là-bas. Non, je les avais pas mis. Donc ici, comme ça, vous voyez, dans le prolongement. La même chose de l'autre côté, etc. etc. Hop, on rajoute les blocs ici aussi. Et après, on finit la barrière. Paf, paf, feu, voilà. Et maintenant, la barrière. Hop. Hop. Hop, donc. Une fois qu'on a ça, on voit qu'on a une jolie suite. En fait, vous voyez, la barrière se suit complètement là-bas et là-bas. Et donc, on a vraiment une barrière qui enroule complètement autour de la colline ici. C'est pour ça, ça fait un effet sympathique. Ok, allez, je finis le reste. Et voilà ce que ça donne avec la barrière posée. Alors, j'en ai profité aussi pour pouvoir poser les premiers piliers en fait de la maison. Vous voyez, donc tout ça, ce seront les piliers de structure de la maison. Vous voyez, donc c'est les grands piliers qu'il y a ici, là, par exemple, ou sur le côté ici, là, vous voyez, les piliers comme ça, les piliers là-bas aussi. Et ça va être notre point de départ pour construire tout le reste de la maison, ok? Donc, je vais vous donner les dimensions pour pouvoir la réaliser. Je vous dis juste que... Au niveau de l'écart entre chaque bloc ici comme ça, il y a 9 blocs d'écart, ok? Donc là on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocs, comme ça. Et il y aura 9 blocs d'écart quasiment partout. Entre ici et ici il y a 9 blocs, entre ici et ici il y a 9 blocs, entre ici et ici il y a 9 blocs, 9 blocs d'écart ici, 9 blocs d'écart là, 9 blocs d'écart ici, 9 blocs d'écart ici, 9 blocs ici. Ok, donc c'est toujours 9 blocs partout. Sauf à deux endroits, au niveau des bouts ici, vous voyez, on a rajouté quelques cubes qui sont dans l'alignement de ces blocs-là, ok, et qui vont avoir 4 blocs d'écart avec ces blocs ici, ok, 4 blocs d'écart ici, et on pose après un autre bloc ici. On va en poser du coup 3 comme ça de chaque côté de notre maison finalement, et 2 au bout comme ça, ok. Mais pour que ça soit plus clair, je vais quand même vous donner... les dimensions pour réaliser tout ça. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre nos blocs de bûches de chêne, ok, et on va venir au niveau du milieu ici. Oui, alors pour avoir un repère aussi quand même, vous prenez votre escalier, ici comme ça, là, vous voyez, de 5 blocs de large, vous prenez le bloc du milieu, et normalement, vous avez... le milieu ici entre les deux blocs à ce niveau là, donc vous avez la maison qui pile poil au milieu ici, centrée avec l'escalier, d'accord, qui est complètement centrée avec l'escalier, et la même chose sur les côtés, ok, l'escalier il est centré pile poil au milieu du reste de la rangée de blocs qu'on vient de mettre. Donc on a 5 blocs, on prend le bloc du milieu, youp, et ici c'est exactement le bloc du milieu qu'il y a entre l'écart, entre ces deux blocs et entre tous les blocs qu'il y a sur la ligne ici. Ok, donc il faut être bien centré en plein milieu. Ok, donc on revient ici, du coup sur nos bûches, et vous voyez les 8 blocs de bûches qu'on a mis ici en plein milieu, ok, et bien ceux-là, ils vont avoir 23 blocs de hauteur, ok, hop. Donc on compte à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, si ça veut bien s'afficher. Ça ne veut pas s'afficher, bon, c'est pas grave. Hop, on met 23 à chaque fois partout. Hop, voilà, normalement ça s'est affiché maintenant. Voilà, et sur les 6 autres ici, on met 23 blocs de hauteur aussi. Hello, petit rectificatif, du coup j'ai eu une partie de mon enregistrement de ma vidéo qui a foiré, qui n'a pas fonctionné, donc du coup, normalement vous devriez avoir ces 8 piliers là comme ça à 23 blocs de hauteur, ok. Après ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ces piliers là, d'accord, donc les 1, 2, 3, 4, les 8 ici, vous voyez, les 8 sur le côté, en fait sur l'aile de la maison, vont être à 16 blocs de hauteur. D'accord, donc ces piliers là, hein. Donc celui-là, celui-là, celui-là et celui-là à 16 blocs, et pareil pour ceux en face, ok. Les deux ici, celui-là et pareil de l'autre côté, ils vont être à 12 blocs de hauteur, je crois,
Hop, ouais, 12 blocs de hauteur pour les 4 du bout. Ok, et pour les autres du reste, il me semble que c'est 9 blocs de hauteur. Pour les 3 de côté. Ouais, voilà, 9 blocs. Voilà, c'est parce que mon enregistrement avait foiré. Je vous retrouve tout de suite, du coup, sur le reste de la vidéo normale. Ok, donc là, on a mis nos piliers de structure pour la maison, ce qui est déjà pas mal. Et on voit que ça commence à... Il va y avoir des symétries, des effets de symétrie un peu partout. Moi, je commence à kiffer. Donc, on va venir sur notre façade ici, notre grande façade de la maison. On va venir compter à partir de ce bloc-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs de hauteur. Au 7e bloc de hauteur, on mettra une bûche comme ça. Et on va venir faire traverser toute la largeur ici, comme ça. En fait, nos... étages vont avoir 6 blocs de hauteur sous plafond, et donc du coup au 7e bloc on mettra un plancher et ça va symboliser le plancher. Hop, on continue de mettre des bûches à 7 blocs de hauteur comme ça sur tout le reste de la maison entre nos piliers. Ok, on fait ça, hop, comme ça, hop, hop, par exemple, hein, pour commencer. On va faire ça aussi du coup sur les piliers qu'il y a ici. On va tous les relier à la même hauteur avec des bûches de chêne, hein, encore une fois. Hop. Alors, on va les relier comme ça aussi. Ok, à cette hauteur-là. Hop. 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 Ok, donc comme ça, hein. On rajoutera aussi les jointures, hop, comme ça, hop, comme ça. Ok, voilà ce que ça donne du coup, lorsque on regarde un peu de haut. Ok, donc maintenant on va faire les poutres pour le 2e étage. Hop, donc on va venir ici. On va recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs. À partir du 7e bloc, on va mettre une poutre comme ça. Sauf, c'est là où il va falloir faire l'exception. Sur la grande façade ici, là vous voyez au plein milieu du bâtiment, sur le devant du bâtiment, on ne va pas mettre de poutre. Sur tout le reste de la maison, au niveau, on va mettre une poutre, mais pas sur le devant. Regardez, sur notre façade ici, comme ça, on va mettre une grande vitre avec une... comment on peut appeler ça, une espèce de motif à l'intérieur de la fenêtre. Ok, pour que ça donne un peu un côté classe. Enfin, j'avais surtout vu ça sur une maison en vrai, mais donc... on va continuer à mettre des poutres ici sur le côté. Hop. Voilà, on continue un petit peu. Il n'y en a plus après. Hop, on fait ça comme ça. Hop, on les relie ici. Pareil de l'autre côté. Vous voyez, donc tous ces blocs là. Je sais pas si ça se voit bien. On relie tout jusqu'ici. Ok. Et après on relie bien sûr entre les piliers aussi comme ça. On met des poutres comme ça. Hop. Hop. Hop, comme ça. Et là, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir fini les piliers de structure. On va juste rajouter d'autres poutres, du coup, au niveau de notre partie centrale à ce niveau-là. On va recompter, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs et le 7e ici, comme ça. Et on va mettre des poutres comme ça sur toute la longueur. On va en mettre ici aussi, si je ne me trompe pas. 1, 2, ouais, voilà, c'est ça. Hop, donc sur la façade, hein, hop, voilà, donc sur la façade comme ça, on va pas mettre de poutre ici en plein milieu, mais on va la mettre sur le dernier cran, ici au-dessus. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va rajouter du coup les blocs de murs. On va faire les murs directement, hein, qu'on va utiliser du coup les blocs de planches de chêne, comme ça. Alors, faut juste que je repère les portes, où est-ce qu'elles sont. Alors, ici en plein milieu,
ici à côté, alors deux ici, et juste derrière, ok. Parce que les portes vont conditionner les ouvertures, enfin forcément les ouvertures, mais ça c'est bien. Mais l'endroit où on va faire les murs. Bref, ici, sur le côté, on va faire un mur quasiment plein. On va juste laisser une fenêtre en plein milieu. Hop. Hop. Voilà, comme ça. On va laisser un trou en plein milieu de 2 blocs de haut sur 4 blocs, sur 5 blocs de large, pardon. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir 2 blocs de mur comme ça de chaque côté. Et au-dessus et en dessous, ou c'est l'inverse, c'est en dessous ou en dessus, mais bref, vous avez compris, 2 blocs de chaque côté pour faire le mur à ce niveau-là. Et pareil, ici, hop, on va faire 2 blocs en dessous, 2 blocs, paf, paf, au-dessus, 2 blocs de mur sur les côtés, 2 blocs sur les côtés ici aussi, et voilà, on aura l'emplacement pour faire les fenêtres. Ok, donc pour vraiment fignoler les fenêtres, ce que l'on va utiliser, ce sont les dalles de voilà, les dalles en sapin, ainsi que les escaliers en sapin, si je les retrouve, voilà. On va venir faire pouf, pouf, deux dalles comme ça, des escaliers entre les deux, hop, des dalles comme ça, au-dessus. Ok, pour donner une espèce d'habillement à la fenêtre, et on va rajouter évidemment dans la fenêtre quelque chose dont vous ignorez même jusqu'à l'existence, j'en suis sûr, ce sont des vitres. Évidemment, c'est extrêmement novateur, comme vous pouvez l'imaginer, hein, bien sûr, mettre des vitres dans une fenêtre, personne n'y aurait imaginé faire ça. Voilà, donc c'est comme ça que l'on fera les fenêtres, comme ça après sur tout le reste du bâtiment, quand je ferai le bâtiment, voilà, bref. Moi, je vais laisser des trous comme ça pour l'explication, mais voilà, c'est comme ça qu'il va falloir faire les fenêtres. C'est de cette façon-là. Alors, en plein milieu, on va laisser des ouvertures de 3 blocs de large pour que ça soit bien centré au niveau de notre mur. Hop, comme ça. Donc, l'idée ici, c'est qu'on va avoir une ouverture. Donc, on va avoir 3 blocs en plein milieu, ok, d'ouverture, 3 blocs de mur sur chaque côté, 3 blocs de hauteur, ok. Pour pouvoir habiller le la porte, on va utiliser des dalles en sapin, pareil. On va venir les mettre ici comme ça. Hop, pour habiller le tout. Et me semble-t-il même que j'avais mis voilà des vitres sur le dessus. Donc on va retrouver les vitres, paf, et on va les mettre ici comme ça pour que ça fasse. Pour que ce soit plus joli. Alors du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir les murs, hein. Ici on va mettre une fenêtre, ici on remettra une autre fenêtre, ok, ici là on mettra une porte, ici on va mettre un escalier à partir de là qui va descendre ici et une porte en dessous, ok, donc ici fenêtre, fenêtre, et ici une porte, ok. Donc voilà, je vais faire tout ça avec vous, pas de panique. Allez, let's go. Ok, donc voilà un peu ce que ça donne, hein, rapidement, hop, on revient ici. Donc voilà, un emplacement pour une fenêtre, ici aussi, donc comme là le mur est beaucoup plus petit, on va juste mettre 2 blocs de large pour la fenêtre. Ici pareil, une porte, une deuxième porte, 2 fenêtres ici dans le coin et une autre porte ici. Ok, maintenant on va faire un petit peu l'habillement, hein, comme on avait fait ici. Donc on va reprendre les dalles et on va venir habiller les fenêtres. Hop, je vais faire ça rapido. Paf, 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 voilà. Youp, 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 youp. Et on fait ça rapidement pour toutes les fenêtres. Alors ici, on va rajouter, comme ce sont des fenêtres de 2 blocs de large uniquement, des escaliers comme ça et des dalles comme ça. Hop, ok. Yop. Et bien sûr aussi, on fera exactement la même chose que ça de l'autre côté de la maison, hein. Donc ici là, voilà, de tout ce côté là aussi, tant qu'à faire. Hop, allez, let's go. Hop, donc, voilà, j'ai mis les murs pour le premier étage pour cette partie là de la maison, comme vous pouvez le voir. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le plancher, on va mettre les planchers plus exactement. Alors, hop, on va venir creuser dans le sol à ce niveau-là. Hop,
Oui, donc on va envoyer tous les piliers de... de... Comment on appelle ça? Je sais plus. Bref, du poudre. De la poudre de concrete. De béton. Voilà. Qui tombe par terre. Bref, on enlève tout ça. Toute cette couche-là. Hop. Donc de toute cette partie-là, en gros, un tout à l'intérieur du bâtiment. Et on va la remplacer par de la planche, comme ça, planche de chêne. D'accord? Ok, allez, let's go. Hop. Voilà pour le plancher. Alors, petite précision aussi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, enfin, il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns, c'est pas une majorité. Dans les commentaires que je vois de temps en temps sur mes anciennes vidéos, c'est que on me dit tu nous demandes de poser des blocs, là en l'occurrence le socle ici avec toutes les pierres, pour après nous demander de les enlever. C'est pas productif, tu devrais directement nous demander de mettre le plancher en bois tout de suite lorsqu'on avait fait le sol, plutôt que de nous faire perdre du temps à mettre les cailloux partout là, les pierres. Alors c'est pertinent comme commentaire, mais je build comme ça, voilà, voilà. C'est ma façon de faire, c'est ma façon de construire. Du coup, je vais continuer comme ça. Ça fait 10 ans que je construis comme ça sur Minecraft. Je vais pas changer comme ça parce que j'ai pas envie. Voilà. Donc, si jamais vous avez eu vous-même envie de poster ce genre de commentaires, vous avez votre réponse en direct live. Voilà. Donc, on continue. Du coup, maintenant, on va mettre du plancher au niveau du premier étage à ce niveau-là. On va pas mettre de plancher ici dans la partie centrale. On va mettre juste des planchers sur les ailes en fait du bâtiment. Hop, ici comme ça. Et ici, après, on prolonge partout au niveau de la... des poutres, en fait, ici, tout simplement. Ok, allez, let's go. Hop, voilà ce que ça donne. Ok, donc on commence à avancer, mine de rien. On va faire tout de suite un escalier. Hop, comme vous pouvez le voir ici, en gros, il va y avoir une terrasse. Terrasse couverte sur le bord du bâtiment. Et on va mettre un escalier comme ça directement. Ok, donc on va utiliser des bûches de bois et des... des planches d'escalier en bois et des bûches de chêne. On va venir mettre des escaliers juste au-dessus, comme ça, de la porte, hein, directement. Ici, on va mettre des planches comme ça. Et on va mettre de l'escalier par-dessus. Hop. Pourquoi ça veut pas s'afficher? Bon, je ne sais pas. Il ne veut pas s'afficher. Et on va, voilà. Et on va pouvoir mettre du coup des escaliers comme ça. Hop, hop. Sur trois blocs de large. Hein, hop. Ok. On va utiliser les bûches maintenant. Qu'on va mettre comme ça. Comme ça. Et comme ça sur le dessus, pourquoi pas. Je les avais mis comment moi? Je les avais mis face. D'accord, de face comme ça. Vous les mettez comme vous voulez en fait, les bûches, de la manière qui vous plaît, tant que ça rend bien, j'ai envie de dire. Hop, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça, tiens. Alors, voilà, on va faire des escaliers comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Il faudra faire la même chose de l'autre côté. Alors. Sur le côté, on va rajouter des barrières. Ici, hop, comme ça, on va utiliser des barrières de chêne noire. Ok, paf, 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 paf. On va le mettre ici, comme ça. Hop. On va rajouter des plaques de pression par-dessus. Ok. Des plaques de pression en chêne, hein, classique. Et on va quand même rajouter un espèce de toit par-devant. On va utiliser les escaliers en sapin. Et on va venir les mettre par devant comme ça. Hop, ok. On va venir utiliser les escaliers en chêne. Et on va les mettre un cran juste en dessous. Ok, histoire d'avoir, hop, un toit comme ça. Hop, on va enlever cette partie-là d'ailleurs. On va mettre un, hop, un escalier ici de chaque côté en machin. Et ça nous fera un espèce de toit ici comme ça. Ok. Regardez ce que ça donne une fois que c'est terminé. C'est plutôt... pas trop mal, voilà. Et on va faire ça du coup sur l'autre côté ici aussi. Hop, ici donc on va rajouter, voilà, les barrières. Hop, ici sur toute la longueur, ici aussi. Hop, hop. Et la même chose, on fera de l'autre côté bien sûr. Hop. Hop, ok. Alors, les machins, non, ça,
Ok. Hop, comme ça. Ok. Et donc, une fois qu'on a ça, l'idée c'est que l'on va utiliser des dalles en chaîne. Chaîne classique. Hop, des dalles comme ça du coup. Et on va venir prolonger notre toit ici à ce niveau-là. Alors pourquoi j'ai pris ça? Non, c'est ça. Voilà, des dalles en chaîne. Paf, paf, paf. Et on va venir faire une ligne de dalles tout jusqu'à l'autre côté de la maison. Et ici, de ce côté-là, on fera exactement la même chose que ce qu'on vient de faire de ce côté ici, bien sûr. Ok. Une fois qu'on a ça, du coup, on va faire les murs pour le deuxième étage. Donc on va utiliser les blocs de chêne, les planches de chêne. Et on va venir faire ici, hop, une porte. Donc on va juste mettre des blocs, hop, comme ça. Voilà, on va faire une ouverture de 3 blocs de large à ce niveau-là. On va faire 2 portes ici, comme ça, ou alors on peut faire juste une porte centrale. Je suis en train de réfléchir, j'avais fait 2 portes sur le modèle, mais on peut faire une grande porte centrale ici, comme ça. Hop. Youp. Ok. Donc pareil, hein, je vous montre pas comment on refait les portes ou l'entourage des fenêtres. Hop, à chaque fois, ça sera la même chose. Donc ici, ça sera une fenêtre. Ok. Hop. Hop. Ok. Ici, ce sera une porte parce qu'il va y avoir un balcon. Hop, donc on va faire une porte de 3 blocs de large, hein, comme ça, classique. Hop. Et on va utiliser en fait les bûches de sapin, de chêne, pardon. On va venir ici dans le croisement et on va en mettre 1, 2, 3, 4 ici, comme ça. Pareil ici, 1, 2, 3, 4, ok. Et entre les deux, on va les rejoindre, comme ça. Et on va venir mettre des planches de chêne en plein milieu pour faire un balcon, hein, voilà, tout simplement. Hop, voilà. On va venir utiliser les barrières en chêne noire, paf, ainsi que les pressure plates. Hop, comme ça, on va venir mettre juste une bûche sur les coins, vous voyez, comme ça. On va reprendre les barrières, youp, ok. On va venir mettre les plaques de pression, hop, hop. Et on va venir utiliser les escaliers, par contre, de chêne noire, ce coup-ci. Les escaliers en chêne noire, si je les retrouve, ils sont là. Et on va venir les mettre en dessous, ici. Pour que, paf, 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 ça fasse un espèce de support. On va essayer de mettre des escaliers comme ça, vous voyez. La même chose de l'autre côté, ici, ici, ici. Pour que ça ressemble à ça. Ce qui est plutôt joli, je trouve. Après, les goûts, les couleurs. Donc, ici et là, on aura 2 fenêtres. Hein, donc, exactement comme en dessous, ok. Ok, allez, on fait l'habillement des fenêtres et des portes assez rapidement. Hop, hop, ok, comme ça j'ai fait l'autre côté aussi dans la foulée. Ok, donc bah, ça avance plutôt bien, hein. on est raccord. Ça avance, ça avance. Donc du coup, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser les planches de chêne. On va venir mettre 2 hauteurs de planches de chêne ici comme ça, vous voyez. Et ce, sur toute la longueur ici, là où il y a toujours 2 blocs de bois qui dépassent. Hop. Hop, ok. Donc ça nous donne ça. On va faire aussi les murs ici sur le côté. Vous voyez, donc sur la partie centrale, les 3 dernières cases qui nous manquent au-dessus. On va faire 3 fenêtres, enfin, on va faire 2 fenêtres, une sur chaque côté. Et au milieu, on va faire une ouverture, parce que ça sera l'intérieur de la maison, en réalité. Donc ici, voilà, on laisse une fenêtre. Ici, il va y avoir un mur aussi, mais comment dire, il va y avoir un toit en fait. Donc ce qu'on va faire, hop, quelque chose un peu comme ça, c'est à dire que on va venir mettre, lorsqu'on mettra le toit, on va utiliser des escaliers comme ça, voilà, en sapin, et on va venir les mettre comme ça, ok. Donc paf, 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 voilà. Donc on peut même enlever une partie ici. Ok, paf, 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 paf. On fait juste, voilà, un mur comme ça sur les coins. Ok, là, pareil, de l'autre côté, on va faire une fenêtre, hein, donc deux. Hop, hop, comme ça. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va venir rajouter
un plancher, donc le plancher du deuxième étage ici, là vous voyez sur toute cette zone là, on va venir hop, recouvrir hop, comme ça de bois, youp, sur toute cette surface, ok. Hop, alors on va venir prolonger dans la partie centrale ici les piliers, les poutres plus exactement à ce niveau là, ok. Donc au deuxième étage, hein, pas ici mais ici, parce qu'ici on va faire autre chose, je vais vous montrer. Et à ce niveau là aussi on va faire la transversale, comme ça j'avais pas mis ici, tiens d'ailleurs c'est bizarre. Ok, et ici pareil on va remplir hop, deux blocs de bois. Hop, ok. Et on reviendra plus tard dessus lorsqu'on fera les escaliers. Alors, une fois qu'on a ça, on a quand même pas mal avancé. On va venir faire les la grande partie centrale ici, tiens, tant qu'à faire. On va venir mettre, en fait, comment on appelle ça? Des bûches de bouleau. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, c'est ça, avec les bûches de bouleau. On va venir les mettre, hop, ici et ici. Ok. On va venir jusqu'à... On va les mettre... jusqu'à là, à peu près ça fait combien? Ça fait combien? 2. Ouais. 3 blocs en dessous de cette poutre là en fait. Ok. On va venir faire des planches comme ça. On va venir mettre les choses comme ça. Ok. Donc en laissant 1, 2 blocs par rapport à la poutre du dessus. Une fois qu'on a ça, on va venir utiliser une hache. Alors ici, j'ai utilisé World Edit avec, donc ça n'a pas marché, mais une hache dans laquelle on va pouvoir écorcer, vous voyez, le bois. Et ça va nous donner un joli bois nickel pour faire notre machin là, façade. Voilà, je ne trouvais plus le mot. Hop, on va rajouter des bûches comme ça ici sur les côtés. Pouf, pouf. Ok, voilà. Et on va rajouter de la vitre pour tout le reste, pour combler la façade. Hop, sauf en dessous ici. Ici, ça sera vraiment l'entrée principale. Du coup, on va laisser ouvert. Hop, parce que ça fait luxe d'avoir des... comment dire? Des grandes, grandes, grandes entrées comme ça, sans porte. Ça fait vraiment... hop, ça donne un côté très, très luxueux à la maison. Et nous, on aime le luxe, surtout sur Minecraft, où on peut vraiment faire ce qu'on veut, on se fait plaisir. Bon, après, vous aurez des mobs qui vont rentrer dans votre maison et venir vous décapiter violemment. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est un autre problème. Hop. Youp. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que juste en dessous, ici, sur l'entrée principale, on va reprendre les escaliers en chaîne noire et on va venir faire des espèces de supports. Des supports... Comac, peut-être, je ne sais plus comment ils étaient. Je les avais fait plus petits sur la. Je les avais fait plus petits la première fois sur la première maison. On va voir. Vous aurez le choix entre deux possibilités. Je vais vous montrer. Hop. Donc voilà, ici j'ai fait l'entrée avec des supports un peu plus larges, ok. Donc vous voyez les supports ici en bois qui soutiennent en quelque sorte l'espèce de pilier en bouleau qu'on a mis au-dessus. Voilà ce que ça donne, j'enlève le curseur pour que vous puissiez vous rendre compte. Hop, je me mets au niveau du sol. Et sur la première maison que j'avais faite, ils étaient comme ça, donc ils étaient beaucoup plus petits. À vous de voir ce que vous préférez. J'avais rajouté aussi des boutons, tiens d'ailleurs, sur les côtés de la façade au niveau des angles, vous voyez. Ce qui est pas mal du tout, on va faire ça aussi. Hop, ok, donc les boutons ici, aux jointures entre les piliers et les... Hop, et les... comment on appelle ça? Et les poutres, voilà. Ça, je trouve plus mes mots, c'est une catastrophe. Hop, hop. Et puis voilà, ça rend plutôt sympathique. On va rajouter aussi des morceaux de bois
ici comme ça sur le côté. Donc des planches de chêne. Hop. Mais uniquement sur le côté, on va pas les mettre sur le devant. Ici, vous voyez, ici sur le devant, on les laisse, on n'en met pas. Pour l'instant. Hop, voilà, je fais la même chose de l'autre côté rapidement. Hop. Donc maintenant, on va faire la partie ici, hein, au centre. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre une poutre comme ça. Ok. On va la faire dépasser du coup de un bloc au-dessus et de 4 blocs sur le devant de la maison comme ça. Et on va faire prolonger cette poutre-là sur toute la longueur du bâtiment. Évidemment, des deux côtés aussi. Hop, voilà, 4. Voilà. On fait la même chose. Hop. J'en ai mis combien? 3, 4 de l'autre côté. Hop. Ok. Une fois qu'on a ça, du coup, on va pouvoir commencer à mettre le toit en place, ce qui est pas mal. Alors, on va reprendre les blocs, du coup, d'escalier en chêne et en sapin. Voilà. Hop. Et on va venir les mettre par-dessus. Du coup, on va utiliser les blocs de sapin et on va les mettre ici comme ça. Donc, en gros, il va y avoir les blocs de chêne, d'escalier en chêne, du coup, qui vont faire le contour du toit et les blocs de sapin, du coup, qui vont faire l'intérieur. Donc on va faire ça comme ça, on va laisser un bloc de la poutre dépasser du toit. Et le reste, on va le mettre, hop, hop, comme ça sur la longueur. Hop, hop, hop. Et comme ça, voilà, on va refaire la même chose en dessous. Hop, hop, comme ça. Et l'idée, c'est que à terme, on va finir par avoir, hop, hop, alors les escaliers en dessous, il faut pas les mettre. Hein. Moi, je mets juste ça pour avoir le support, pour pouvoir poser quelque chose. Ok, hop, hop. Mais ils vont être enlevés. Hein. Les blocs de boulot que je suis en train de mettre ici, comme les blocs à l'envers là, vont être enlevés à terme. Hop. Hop, ok. Donc sur le dessus, ce qu'on va faire, c'est que l'on va mettre une dalle en chêne. Hop, comme ça. Ok. Voilà, comme ça. Et ça, en fait, cette forme-là, on va la prolonger sur toute la longueur du toit, hein, bien sûr. Sauf que on va rajouter un autre truc, c'est qu'on va utiliser des bûches de chêne pour refaire une poutre qui va venir sur toute la longueur, pile-poil au milieu du toit. Hop, comme ça. Donc, on va la faire décaler de 4 blocs par devant, hein, comme pour les autres poutres. Et on va la faire prolonger, pareil, sur toute la longueur du toit. Ici sur, bah sur tout le toit en fait, et après on mettra une espèce de petit chapeau comme ça par dessus qui est plutôt sympathique. Alors pour le devant du toit, on va faire ça comme ça, paf paf, hop, et on va prendre les escaliers en chêne et on va venir faire ça comme ça. Je ne me rappelle plus de combien oula, le toit dépasse de 2 blocs, ok, du mur. Donc le toit dépasse de 2 blocs du mur. Et donc on va faire ça. Hop, comme ça. Et on va rajouter sur les parties en bois de chêne, enfin les escaliers en chêne, des escaliers à l'envers aussi. Comme ça on aura une jolie surface, enfin une jolie façade, pardon. Hop, sympathique. On va faire ça sur toute la longueur. Ok. Hop. Bon bah voilà, après l'idée c'est qu'on va refaire la même chose ici comme ça sur toute la longueur, la même chose de l'autre côté, etc, etc. Hein. Allez, let's go. Hop, et hop. Ok, donc voilà ce que ça donne. Hein. Alors, on va faire la façade, on va finir la façade plus exactement. On va revenir avec les planches de chêne, pas du tout, les bois de chêne. Et on va venir faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire des diagonales à partir du milieu. On met un bloc au milieu, comme ça on fait partir une diagonale sur le côté. La même chose sur l'autre côté. Ok, et on va venir mettre du coup des morceaux de bûches aussi, comme ça. Ok, et normalement vous voyez ça nous fait un espèce de... enfin ça nous fait ça. Et donc du coup on va venir reprendre les blocs de vitre et on va venir les mettre dans les parties vides.
pour pouvoir finir la fenêtre de la façade. Hop. Comme il faut. Voilà. Très bien. Elle est plus jolie comme ça, notre façade, n'est-ce pas? Alors, on va quand même... Ah tiens, on va faire tout de suite un truc. Tiens, d'ailleurs, on va réutiliser les boutons, là. On va les mettre au niveau des croisements des poutres et des piliers, ici. Hein. Comme ça, ça sera plus pratique. Hop, on va mettre que ici. Hop, hop, hop. Voilà, en dessous, on n'a pas vraiment l'occasion de pouvoir en mettre. Donc, on va faire ça comme ça. Ok, donc maintenant on va faire la partie qu'il y a au-dessus à ce niveau-là. Donc, oui, encore une fois, je vous ai, comme je disais tout à l'heure, hein, moi je crée des morceaux de choses et après je vous demande de les enlever pour construire autre chose à la place. J'ai toujours construit comme ça, voilà, c'est comme ça. Donc je vais vous demander d'enlever une partie du toit. L'idée, ça va être de prendre le milieu, exactement le milieu. Donc pour moi, ça va être ici. Hop, donc pile le milieu au-dessus et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de chaque côté et c'est là la place que va prendre du coup notre petit chapeau de toit, je ne sais pas comment ça s'appelle, un espèce de sur-toit, un toit vous voyez comme ça du coup qui... Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, s'il y en a qui parmi vous s'y connaissent un petit peu en architecture, essayez et n'hésitez pas à me dire quel est le nom exact de cette chose. Hop, donc du coup on va venir utiliser des escaliers en chaîne pour faire le contour. On va surélever notre sur-toit, j'ai appelé ça un sur-toit ne sachant pas comment appeler ça autrement, de deux blocs par rapport à la hauteur du toit normal. Et donc du coup on va faire ça comme ça. Hop, là, 1, 2, 3, alors c'est 3 blocs, ok, donc c'est bel et bien 2 blocs, hein, de hauteur qu'il faut au-dessus du vrai toit. Hop, 1, 2, donc l'idée, lorsqu'on part du milieu, ça va dépasser de 4 blocs de chaque côté, ok, donc là on est 1, 2, 3 blocs de large, hop, hop, voilà, quatrième bloc. On va venir rajouter, du coup, des escaliers comme ça sur la longueur, sur la largeur, non la longueur, hop, rajouter des escaliers comme ça, on va rajouter aussi évidemment des dalles sur le dessus du toit, ici comme ça, j'ai dépassé ici non je crois, ouais j'ai dépassé hein. J'ai fait un bloc en trop, il faut vraiment aller sur la partie où j'ai enlevé les blocs, hein, du coup. Hop. C'était pas très malin ce que je viens de faire. Voilà. Hop, hop. Et donc voilà, faut finir un petit peu. Voilà, donc 1, 2, 3, 4 blocs en diagonale sur le côté. Et... jusqu'au bout, ok très bien. Hop, ok. Donc c'est la forme du toit que l'on va avoir. Très bien. On va rajouter des dalles ici. Et ici, on va rajouter des escaliers à l'envers. Mais alors du coup, il va falloir enlever les escaliers qu'il y a ici. Hop, comme ça. Sur toute la partie... hop, qui est recouverte par le surtoit qu'on vient de mettre. Hop. Comme ça, la même chose de l'autre côté. Ok. Donc voilà, là on peut mettre des escaliers à l'envers ici comme ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Sachant que ce n'est pas que esthétique d'ailleurs de faire ce genre de toit. C'est aussi pratique parce que ça laisse plus de lumière passer du coup à l'intérieur de la maison. Et en même temps je dis ça mais je suis en train de montrer qu'il y a une énorme fenêtre géante en plein milieu. Donc du coup forcément ça sert pas forcément. Ça... non en fait bon non c'est surtout esthétique. On va... pardon, on va rajouter des escaliers à l'envers du coup de ce côté là. Pour pouvoir soutenir les fenêtres qu'il va y avoir. Donc on va rajouter tiens, un escalier sur le côté comme ça. À l'envers et paf paf
paf, ok. Juste en dessous des escaliers en chaîne qu'on vient de mettre, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, pop, 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 ok. Et des escaliers à l'envers en sapin sur la longueur. On fait dépasser de un bloc comme ça. Ok. Comme ça, ça nous permettra d'avoir une quelque chose de propre aussi à l'intérieur du bâtiment. Une fois qu'on a ça, du coup, on va pouvoir rajouter directement les escaliers en sapin sur le toit, hein, comme ça. Hop. Ok, donc voilà où on en est arrivé. Donc, on va reprendre à partir de l'intérieur, du coup. Du coup, on a toujours la poutre hein, qui traverse, normalement. Et on va rajouter, du coup, des vitres. Alors, l'idée ici, c'est que l'on va devoir utiliser des blocs de vitres, hein, pas les vitres classiques comme ça, mais vraiment les blocs de verre. Si tant est que je les retrouve, déjà. Bon, je sais plus où ils sont. Voilà, le verre. Hein. Ok. Parce que sinon, on aurait des trous avec les vitres. C'est un peu problématique. Vous voyez, il y a juste... Enfin, il y aurait plus de trous encore. Là, déjà, il y a des trous. Ici, vous voyez, mais bon. Ça serait encore pire avec des vraies vitres. On va juste laisser les coins ici, là, vous voyez. Au niveau du toit, on va utiliser des fences, donc des barrières en chaîne sur le côté comme ça, histoire de donner au moins une justification, comme quoi l'espèce de surtoit ici comme ça est surélevé, hein, parce que sinon ça va faire un peu bizarre. Il ne reposerait que sur les vitres, ça serait un petit peu ça serait pas bien. Ici, c'est pas joli le fait que le verre soit mis juste en dessous des escaliers. On va plutôt faire ça comme ça. On va rajouter un bloc de décalage vers l'intérieur pour mettre la vitre. Hop. Voilà, la même chose de l'autre côté, bien sûr. Hop. Hop, 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 hop. Pop 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 pop. Ok. Bon. Eh ben c'est pas mal tout ça. Alors. Du coup maintenant on va faire le toit de cette grande partie là à ce niveau là. Ok. On avait déjà commencé tout à l'heure avec ici ces escaliers là. Donc pareil, on va faire décaler le toit de deux blocs par rapport au mur, c'est-à-dire que ici on va mettre des escaliers en sapin, du coup comme on avait mis, plus un escalier en chaîne ici comme ça qu'on fera prolonger après. Ici on mettra du coup des sapins, hop, des sapins comme ça, des sapins, des escaliers en planche de sapin. Hein, on s'est bien compris. Vous mettez pas des vrais sapins, ça sera. Hein, voilà. Donc voilà, on rajoute tout ça jusqu'à arriver au point culminant. Ok. Paf, 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 paf. Ok, donc ici c'est le point culminant. On va rajouter donc des dalles, forcément une ligne de dalles en bois de chêne au classique. Et on rajoute évidemment les escaliers comme ça, comme on avait fait pour la première partie du toit. Hop, voilà. Donc vous voyez, hein, c'est très 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 classique. Et donc, on va faire prolonger cette forme de toit-là sur toute la longueur. On va aussi rajouter, comme on avait fait du coup pour le premier toit ici, une poutre qui va démarrer de là et que l'on va prolonger sur toute la longueur du bâtiment et qu'on va faire dépasser de 4 blocs de la façade ici. Donc vous voyez, ici là, on va compter un bloc, 2, 3, 4 blocs en plus. Est-ce que... Voilà, bug graphique. Et du coup, le toit lui-même s'arrêtera ici, donc à un bloc avant la fin de la poutre. Hop, voilà, et on mettra la limite du toit comme ça, jusqu'ici. Hein. Hop, et qu'on le prolongera sur toute la longueur comme ça, hein, comme exactement ce qu'on avait fait juste avant en fait. Voilà, donc allez, on va faire ça hein, tout simplement. Ok, voici notre toit du coup. Alors sur les extrémités à ce niveau là, on va rajouter des poutres
Ok, à deux blocs décalés. Donc, on va mettre les poutres, hop, ici comme ça. D'accord, on va les faire dépasser de un bloc du toit. Pareil, ce sont des poutres qui sont uniquement décoratives. Hein, il n'y a aucun intérêt autre que ça. Hop, comme ça. Hop, voilà. Donc, voilà, décalé de trois blocs par rapport, de trois blocs sur le côté par rapport, du coup, au sommet. Si vous voulez vous de repérer. Du coup, on va reprendre les blocs de planches de chêne et on va venir compléter hop, le trou ici. On va juste laisser ici en plein milieu une fenêtre, je crois, puisque va y avoir un autre toit qui va venir un peu plus bas. Donc, je pense qu'ici, c'est bon. Hop, on va rajouter évidemment les escaliers à l'envers en dessous des de la façade, du coup, hein, en dessous des escaliers en chêne. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un espèce de surtoit, un autre surtoit, du coup, à cette partie-là du toit, comme on a fait ici, mais du coup, de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a un surtoit qui va partir du grand toit et qui va se prolonger sur le côté. Ok, d'accord. Pour faire ça, du coup, on va venir utiliser les dalles en chêne, hein, classique. On va venir mettre les dalles ici, du coup, à 1, 2, 2 blocs au-dessus du toit à ce niveau-là, ok. Enfin, un bloc et demi d'écart quasiment. Et on va prolonger du coup ça sur 20 blocs de longueur. Donc on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Le surtoit va avoir toute cette longueur-là. On va venir mettre du coup des escaliers sur les côtés ici comme ça pour délimiter le surtoit. On va venir le mettre sur 4 blocs de large, 1, 2, 3, 4, ok. Et on va venir remettre comme ça des escaliers sur la longueur. Et on va refaire un peu la même chose, hein. Toujours le toit est toujours à peu près fait de la même façon sur cette maison-là. Hop, ok. Voilà, et au milieu, vous l'aurez compris, on va utiliser des escaliers en sapin et on va venir boucher le trou. Hop, alors oui, du coup, on sera arrivé à la jointure ici, on va se débrouiller comment? Comme ça? Ou avec du chêne plutôt? Ok, comme ça. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté, bien sûr. Youp. Hop. Et voilà pour notre surtoit. Alors, du coup, maintenant, on va rajouter les fenêtres dans le toit. Et donc, on va venir faire les fenêtres tous à peu près de la même façon, en fait. Hein, tout exactement de la même façon, en réalité. Donc, on va venir enlever les parties du toit, ici, comme ça, sur à peu près la largeur, vous voyez, qu'il y a entre deux piliers. Hop. Et on va venir, juste un bloc de moins, peut-être. Un bloc de moins de chaque côté. Ok, comme ça. Et on va venir faire un peu une espèce de pyramide, comme ça, creusée en pyramide. Et on va venir rajouter des blocs comme ça. Voilà. On va venir rajouter des escaliers en sapin. Comme ça. Ok. Et le reste, pouf, 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 en escalier de chêne. Un peu... Alors, attendez. Pouf. Pouf, voilà, comme ça on aura l'escalier qui fait un raccord ici comme ça, au lieu d'avoir un escalier comme ça où il y a un trou, ça fait un peu plus moche. Donc, youp, paf, comme ça. Tiens, d'ailleurs, on va en profiter pour mettre les escaliers à l'envers tout de suite. Ok. Et par-dessus, évidemment, la petite dalle, hop, hop, comme ça. Et on va faire toutes les fenêtres exactement de la même façon. On va juste faire un trou ici comme ça. Et on va rajouter des vitres, parce que quand même c'est mieux avec des vitres. Hop, et puis des dalles, hein, tant qu'à faire. Ok, vous voyez cette fenêtre là, donc du coup on va faire exactement la même chose ici et ici. On mettra trois fenêtres de chaque côté, bien sûr. Et évidemment il faudra rester aligné avec la fenêtre ou la porte que vous avez en dessous. Là vous voyez, vous avez le centre de la porte et aligné avec le centre de la fenêtre. Pareil ici. Le centre de la fenêtre ici doit être aligné avec le centre de cette fenêtre là et là-bas aussi. Ok, donc ici, ici et celle-ci du coup. Allez, on fait ça du coup.
Et hop, voilà ce que ça donne du coup avec nos trois fenêtres. Ce qui est un petit peu mieux, ça donne plus de cachet. On va venir finir cette partie-là du toit avec les cheminées. À la base, pour être honnête, j'avais mis qu'une seule cheminée, mais honnêtement, avec quatre cheminées comme ça, vous voyez, deux de chaque côté, est-ce que ça rend pas plus massif l'histoire? Ça donne pas une... hein? Si, hein, ouais. Donc, on va venir prendre comme repère cette fenêtre-là. On va venir ici, on va compter 1, 2, 3 blocs, et sur les deux blocs sur le côté, comme ça, on va les enlever, on va mettre de la diorite à la place. Et puis on va monter du coup tout ça à 7 blocs de hauteur. Donc on a notre premier bloc ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est normalement à un bloc et demi peut-être au-dessus de notre toit ici, pour avoir les repères, pour voir si vous vous êtes pas trompé quelque part. On va faire ça du coup sur deux blocs de large, hein, comme vous pouvez le voir. Et on va rajouter des petits feux de camp que l'on va entourer avec des trappes en chêne noir. L'intérêt des trappes en chêne noire, en fait, c'est qu'elles sont complètement pleines, elles ne laissent pas passer la lumière, on ne voit pas au travers, et donc du coup ça camoufle complètement les feux de camp. Normalement, mettre un feu de camp au-dessus d'une cheminée, ça fait un peu bizarre. Et donc là, ça permet de complètement les camoufler. Et avec la diorite qui est très blanche, en fait, et les trappes qui sont très noires, ça donne un contraste qui est assez sympathique, en fait. Soit vaut mieux faire tout dans le même ton de couleur, soit faut donner des contrastes forts. Pour que ça soit esthétique en fait. Et donc voilà. Maintenant du coup on va faire la dernière partie du toit. Hein, le toit qui est par-dessus la terrasse à ce niveau là. Vous voyez donc toute la grande terrasse qui fait le tour ici du bâtiment. Hop, on va reprendre les piliers qu'on avait laissés en plan depuis tout à l'heure. Donc on va reprendre comme ça. On va remettre des escaliers en sapin. Ici comme ça, on va les faire rejoindre d'un bout à l'autre. Hop, hop, hop. Comme ça, des piliers. Hein. Comme ça. Hop, hop. On enlèvera les escaliers que je mets à l'envers. Hein. C'est juste pour pouvoir placer les escaliers. Hop, comme ça. Donc, une fois qu'on les a rejoints, on va utiliser évidemment les dalles en chaîne que je n'ai plus dans mon inventaire. Hop, comme ça, au-dessus. Ok, normalement si j'ai bien fait, si j'ai bien placé la fenêtre, on est juste au-dessus, vous voyez. Donc j'ai mis la fenêtre juste un bloc trop bas, j'aurais dû la mettre juste un bloc au-dessus. Bon. Et du coup, on va comme faire à notre habitude, c'est-à-dire on va prolonger le toit de 3 blocs par devant la façade, hein, ici comme ça. Et on va rajouter une poutre qui va venir juste en dessous. Nos dalles et qui va dépasser de un bloc, hop, comme ça, vous voyez. Et évidemment le reste du toit on va le faire comme on avait fait depuis le départ, avec des escaliers du coup que j'ai déjà dans mon inventaire, je sais pas pourquoi je vais les chercher, en chaîne pour pouvoir faire les contours du toit, et avec des escaliers en sapin pour pouvoir faire le corps du toit véritablement. Hop, 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 vous voyez l'idée, hein, du coup, donc on va vraiment faire tac, 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 et on va venir mettre nos escaliers en chaîne en ligne jusqu'à ici, vous voyez, aligné avec ce pilier-là pour venir recoller dessus. Sachant que à ce niveau-là, on mettra une fenêtre après. Hop, donc pour ceux qui veulent laisser un trou à ce niveau-là, comme ça on mettra directement la fenêtre après. Moi j'ai tendance à rajouter à faire des toits complets et après tailler dedans. Je trouve ça plus facile, méthodologiquement. Bref. Hop, on finit le toit, hein, comme tout à l'heure. Hop, ok. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre des escaliers à l'envers. On va rajouter une poutre d'ailleurs, deux poutres. Sur le côté ici, donc on va rajouter ici, là, vous voyez, sur la longueur. Hop. Donc la poutre en elle-même, on va la décaler, vous voyez, de deux blocs par rapport au pilier, comme ça, un, deux blocs. La même chose de l'autre côté, bien sûr. Hop. Ok. Ok. Une fois qu'on a ça... on va rajouter les escaliers, vous voyez, les escaliers à l'envers, comme ça au moins c'est fait, youp, pouf, 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 et on va rajouter aussi des poutres, ici,
voyez, donc du coup, dans le prolongement des piliers au même niveau, on va rajouter hop, des piliers, comme des poutres comme ça, décidément. Et du coup, en plus de ça, on va utiliser les escaliers en chaîne noire que l'on mettra du coup dans l'alignement des poutres qu'on vient de mettre, ici comme ça, sur le côté de notre... poutre, voilà. Alors, décidément, les poutres, moi, c'est une catastrophe. Enfin, il faut vraiment que j'arrive à imprimer ce mot-là quelque part dans ma tête. Alors, paf, voilà. On va rajouter des espèces d'escaliers comme ça, vous voyez, sur le côté, pour donner l'illusion de support entre les piliers, du coup, et les poutres. Hop, hop, on va faire ça comme ça. Voilà, en essayant de les mettre où il faut. Hop, hop, et hop. Et ici, comme ça. Ok, c'est déjà un peu plus sympathique. On va rajouter une autre fenêtre ici du coup, juste en dessous de la poutre ici, comme ça, parce que pourquoi pas, on peut, c'est swag. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce mot-là d'ailleurs, tiens. Hop, hop, hop. Est-ce que je peux trouver des petits escaliers? Pas du tout, c'est pas ça. Des, voilà, des dalles en sapin. Voilà, bon, ça fait une fenêtre un peu plus bizarre peut-être, mais bon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Pas grand-chose, j'ai l'impression. Si, du coup, maintenant, on va faire les fenêtres de la terrasse, du coup, à ce niveau-là. C'est pas vraiment une fenêtre, en fait. C'est plus une... C'est, je sais pas comment on peut appeler ça, d'ailleurs. On va venir ici, creuser comme ça. Hop, ok. Faire une forme en pyramide. Et on va venir mettre des escaliers comme ça. Donc, des escaliers en sapin comme ça. Hop, 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 ok. On reprend les dalles de chêne, on les met ici comme ça. Et les escaliers en chêne, on les fait dépasser de un bloc de ce côté-là. Hop, hop, et on finit la petite... c'est pas une fenêtre, mais je vais appeler ça une fenêtre pour faciliter les choses. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça... On a fini notre toit, ce qui est déjà pas mal. Il faudra faire exactement la même chose de l'autre côté, bien sûr. Hein. La même cheminée, les mêmes fenêtres et tout. Du coup, maintenant, ce que je vous invite à prendre, ce sont les dalles en diorite. Alors, faut que je les retrouve, ça aussi. Ok, voilà, les dalles en diorite. Et on va venir mettre une ligne de diorite au niveau du pied du bâtiment. Au niveau de ici, comme ça, vous voyez. Et on va faire courir cette ligne-là sur tout le long du bâtiment, sauf devant les portes bien évidemment, pour donner un petit cachet supplémentaire. Hop, hop, comme ça. Hop, voilà. Et on continuera évidemment de l'autre côté du bâtiment et partout. Vous voyez, quand on s'éloigne un petit peu, on voit tout de suite que ça donne une petite ligne de détails supplémentaires. C'est plutôt appréciable. Alors, on va rajouter maintenant... Alors, il y a tout un tas de choses à rajouter. On va commencer par les arbres. On va venir ici, sur la cour, là, on va rajouter deux pots de fleurs géants, entre guillemets. On va venir compter à partir d'ici le bloc, là. 1, 2, 3, 4, 5 blocs en diagonale, pourquoi pas. Et on va venir mettre une ligne de 5 blocs de dalles de diorite. Et on va faire un carré avec ça. On va creuser à l'intérieur pour pouvoir mettre de l'herbe. Hop, comme ça, ok, et l'idée, ça sera de faire pousser un arbre dessus. Alors du coup, j'ai utilisé des grands arbres pour la maison, mais c'est assez difficile à obtenir comme ça du premier coup sur Minecraft. Donc ce que j'ai fait moi du coup, c'est que j'ai utilisé quelques techniques, j'ai beaucoup galéré pour obtenir des grands arbres. Donc bon, essayez d'obtenir des grands arbres si vous pouvez, ça sera un petit peu galère. Hop, je vais... Alors oui, non, c'est vrai que je suis plus en anglais. Hop, le poudre d'os, c'est ça, voilà. Donc voilà, hein, des chênes, parce que pourquoi pas. On peut utiliser des sapins aussi. Ça peut rendre bien, mais alors du coup, si vous utilisez autre chose que les arbres que moi j'ai mis ici, du coup je n'ai utilisé que des chênes partout, si vous voulez utiliser autre chose, comme du sapin par exemple, je pense que le sapin ça peut marcher très très bien, hein, comme ceux que j'ai utilisés là-bas, bon ceux-là ils sont peut-être un peu grands, mais l'idée c'est de n'utiliser qu'une seule même sorte d'arbre partout. Si vous n'utilisez des chênes, utilisez que des chênes, si vous utilisez des sapins, n'utilisez que des sapins, etc. etc. Parce que ça donne un aspect global plus harmonieux.
Évidemment, le mieux c'est de vous adapter au biome dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans un biome savane, la maison va un petit peu dénoter. Mais bon, vous pouvez utiliser des arbres qui poussent dans la savane. Uniquement. Comme ça, ça donnera un côté plus harmonieux. Alors du coup, on est séparé de deux blocs par rapport à la porte. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5. Ok. Ok, paf, paf. Bon, moi j'ai des petits arbres, mais bon, c'est pas grave. Ok, alors maintenant on va rajouter la dernière partie du toit. En fait, je vous avais mis une espèce de dalle à ce niveau-là, des ensembles de dalles ici. Sauf que je viens de remarquer que sur mon modèle, j'avais mis un toit. Voilà, désolé. Donc du coup, on va prendre des escaliers en chaîne et on va venir faire une ligne comme ça de 4 blocs sur le côté de chaque côté du toit en enlevant les dalles qu'on avait mis au préalable. Hop, des escaliers en sapin et des dalles ici comme ça en chaîne. Hop, paf, paf, paf. Et on va utiliser aussi du coup des barrières en chaîne noire ou des barrières en spruce, donc en sapin plutôt, je pense. Et on va les mettre ici comme ça en dessous. Ok. Ça donne un côté un peu plus sympathique. On va faire l'entrée de la maison maintenant. Du coup, on va revenir ici. Donc normalement, vous avez des dalles de l'autre côté, hein, comme ça. Hein, voilà, plus un mur normalement. Si vous avez fait la maison. Donc normalement, vous avez une entrée comme ça. Ok, on va partir de là et on va venir ici sur le côté, on va venir creuser dans le sol pour donner une forme un peu comme ça. Donc, vous voyez, on va creuser comme ça et on va enlever toute la partie en pierre qu'on a ici. Et même le bloc qui est en dessous des dalles aussi. Hop. Ok, et on va rajouter du coup des escaliers de diorite comme ceux qu'on avait mis ici hein, sur les escaliers et sur le contour, et on va venir les mettre comme ça. Hop, ok, ok. Donc une fois qu'on a ça, on va venir rajouter la terrasse ici. Hop, comme ça. Enfin, on va pas mettre... C'est pas vraiment une terrasse, en fait. C'est plus le prolongement du plancher de la maison. Et puis, voilà. Donc, du coup, pour pouvoir continuer la maison, on a besoin de faire la partie centrale. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même chose qu'on a fait là, de l'autre côté de la maison, et je vais finir l'autre côté aussi, qu'on n'a pas fait du tout, mais que, du coup, je vais m'empresser de faire pour qu'on puisse continuer. Ok, allez, let's go. Alors, une fois qu'on a ça, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire l'intérieur de la partie centrale ici, vous voyez. Donc pour l'instant, on a juste une partie comme ça. L'idée, c'est que l'on va faire des escaliers pour pouvoir monter aux différents étages. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne du coup. Hop, vous voyez, donc on aura deux escaliers comme ça sur le côté, avec une espèce de water feature qui a pas marché juste en dessous. On fera ça mieux, vous inquiétez pas. Donc des escaliers comme ça sur les côtés avec une espèce de passerelle pour passer d'un côté à l'autre de la maison, une espèce de pont à l'intérieur de la maison. Je trouve ça assez stylé dans l'idée. Après on mettra des escaliers hop comme ça pour monter à l'étage du dessus, et puis on aura les choses comme ça. Voilà l'histoire. Alors let's go. Ok, déjà en premier lieu, on va mettre de l'éclairage parce que c'est vrai qu'on n'y voit pas grand chose. On va venir au centre ici de la maison. On va venir faire un grand carré de 5 par 5 et on va venir mettre de l'éclairage. Ce que j'avais utilisé comme éclairage, c'est je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, les blocs de champi-lampe. Hop, je trouvais ça plutôt sympathique. Donc ce que l'on va faire, c'est que je vais mettre des champi-lampes du coup juste en dessous le plancher. D'ailleurs non, on va pas faire comme ça, on va mettre ça comme ça. Hop, juste comme ça.
pour faire un petit peu une décoration. Et par-dessus, on va rajouter des bûches, comme ça, de chênes. Sauf qu'on va laisser un bout à chaque fois. On va mettre des bûches que sur 4 blocs de large pour faire comme ça. En fait, vous allez voir, ça va rendre un effet un peu sympathique. Vous voyez ? Ça rend un effet avec les bûches qui sont orientées de manière assez intéressante. On va rajouter du coup de l'eau. Et de l'herbe d'ailleurs avant, et de l'eau aussi, mais hop, comme ça. On va prendre un petit seau d'eau, un peu, pour pouvoir mettre de l'eau par exemple sur le côté ici. Et on va pouvoir ajouter des fleurs. Quelques fleurs histoire de dégayer un petit peu les choses. Voilà par exemple. J'ai pas mis beaucoup de couleurs d'ailleurs, mais bon, c'est pas spécialement un problème. On va pouvoir ajouter du coup des blocs de vitre, des blocs de verre, pardon. Un peu par-dessus comme ça. Hop, et puis voilà. Donc, ah bah j'ai oublié de faire le plancher pour ce côté-là d'ailleurs. Bon bah c'est pas grave, ça va marcher quand même. Donc, on va venir du coup sur notre... partie centrale comme ça, et on va venir mettre des escaliers, on va venir prendre des escaliers, alors j'en ai pas sous la main, voilà, en chaîne, hop, on va venir prendre le bord de cette fenêtre ici, on va venir mettre sur le bord ici deux escaliers comme ça, hop, 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 et on va venir monter petit à petit, hop, à ce niveau là on va mettre une espèce de carré comme ça, voilà, en planche. Et on va venir prolonger les escaliers comme ça. Hop, hop, on va enlever la poutre qu'il y a à ce niveau-là. Hop, on enlève ça comme ça. Et on aura notre premier escalier dans ce sens-là. Ok, donc on va venir utiliser des blocs de chêne. On va les mettre sur le côté. Hop. Et le reste... Non, on va laisser ça comme ça. On va faire la même chose après de l'autre côté, bien sûr. Hop. Hop, ok. Vous voyez, hein, donc identique. Et pareil, du coup, de l'autre côté, ici, on va rajouter des escaliers. Tada! Alors, on va rajouter du coup l'espèce de pont qu'il va y avoir entre les deux parties. Hop. De la maison. Hop, comme ça. Yup. Et on va rajouter du coup ici, hop, des bûches comme ça en ligne pour pouvoir faire un peu la délimitation du pont lui-même. Hop. Alors, bah c'est plutôt pas mal. On va pouvoir rajouter une espèce de petite encoche comme ça. Hop. Oui, du coup, oui, je me rappelle encore à chaque fois des commentaires que je reçois justement qui me disent « Ah, mais tu casses, tu nous dis de faire des choses et après on casse tout le temps. » Oui, désolé, encore une fois. Je vais arrêter de le dire à partir de maintenant. Je considère que ça sera acquis pour tout le monde. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre les barrières en place. On va mettre les mêmes barrières que ce qu'on avait mis, je me suis pris dans le mur, que ce qu'on avait mis du coup sur la terrasse. Ici donc avec des... barrière en chaîne noire hein, pour le coup. C'est vrai qu'on n'y voit pas grand chose, je vais mettre des torches un peu partout, hop. Histoire que vous y voyez mieux pour la vidéo. Ok, donc... voilà. Voilà, il faudra les mettre de l'autre côté aussi, bien sûr. Et ainsi que sur... hop, voilà. Il faut mettre des plaques de pression ou pas, je me rappelle plus. Non, pas de plaques de pression. Ok, donc maintenant, on va faire les escaliers pour aller à l'étage au-dessus. On va utiliser encore les escaliers comme ça. Donc l'idée, c'est qu'on va venir... quelque part par là sur notre pilier, tiens d'ailleurs sur notre poutre, on va venir faire un escalier de 3 blocs de large et on va venir hop faire en sorte
Voilà, que ça monte un petit à petit. Hop. Hop. Ok. On va enlever les blocs ici, comme ça. D'accord. Et on va venir rajouter des bûches sur le côté de notre escalier, sur le côté de la cage d'escalier plus exactement. Hop, comme ça, d'accord. Ainsi que sur le côté, évidemment, des... Alors, on va le mettre les bûches en dessous, comme ça, de cette... Hop. Et sur le dessus, on les mettra côté face vers le haut. Ok. Voilà, la même chose de l'autre côté. Donc, du coup, sur les escaliers à l'envers, on mettra des bûches face vers le face vers nous en fait, et sur le reste des bûches face vers le haut pour garder un côté esthétique. Et on va rajouter de l'éclairage parce que c'est vrai qu'on n'y voit pas grand chose. Hop. Alors évidemment on va rajouter aussi du coup des barrières hein, de ce côté là les mêmes barrières qu'on avait mis en dessous. Hop. Youp. Et puis voilà, donc ici on va pouvoir rajouter des barrières aussi, on va pouvoir rajouter une espèce de d'encoche comme on avait fait ici, là vous voyez, une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, une espèce de balcon, une espèce de balconnet, hop, hop, comme ça, voilà, de chaque côté. Ok. On va rajouter les petites barrières. Hop. Et puis, bien sûr, les petites torches. Parce que c'est vrai que même si on a des grandes fenêtres de l'infini, bien c'est vrai qu'on n'y voit pas forcément grand chose pour autant. Alors ici, au niveau du toit, juste en dessous le toit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre davantage de charpentes. On va mettre des poutres ici entre les croisements de bûches, ok, de part et d'autre, hop, comme ça, d'accord. Et on va aussi rajouter des escaliers en chaîne noire juste en dessous le toit pour donner l'illusion de charpente un petit peu plus intéressante. Voilà, hop, comme ça. Donc l'idée, on va venir utiliser les bûches, hop, comme ça, jusque au toit. Hop, et on va venir mettre les escaliers en chaîne noire juste sur le côté ici, vous voyez. Alors oui, non, du coup pas ici comme ça parce que ça va se voir depuis l'extérieur. Du coup on va les mettre ici sur le côté. Ok. Voilà, pour donner un peu l'illusion d'une charpente en fait. Ok. Ok. Et puis c'est pas mal. Et puis c'est pas mal. Bon, alors après, je sais que certains d'entre vous me demandent souvent de mettre la décoration intérieure des maisons. Là pour le coup, je vais me limiter aux escaliers parce que c'est vrai que la décoration intérieure, c'est pas mon truc. Ça m'intéresse pas. Pas vraiment déjà, ça m'intéresse mais j'ai pas le courage de le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment finir par l'extérieur. L'idée, c'est que l'on va rajouter tout un tas d'arbres sur notre espèce de colline artificielle pour pouvoir faire une espèce de semblant de forêt. C'est un peu le thème dans lequel on est ici, hein, c'est-à-dire qu'on est sur un warp, on est sur le serveur Amberstone d'ailleurs pour ceux qui voudraient venir, et on est sur le warp des maisons en bois, le warp forestier. L'idée, comme vous pouvez le voir, c'est d'avoir une très grande forêt avec des maisons en bois partout. Ces maisons là sont en tutoriel d'ailleurs si vous voulez voir les autres vidéos de la chaîne. Et puis donc du coup on va rajouter beaucoup d'arbres pour coller avec le thème. Alors on va prendre des pousses d'arbres évidemment, on va aussi prendre quelques fleurs, pas trop tape à l'œil, c'est pas trop l'idée, donc des fleurs avec, avec des teintes assez douces finalement, donc avec des teintes bleues, des teintes de lilas, et voilà, quelques coquelicots
de temps en temps, mais pas forcément beaucoup. Vous voyez, pas des grosses fleurs dans le style des rosiers ou des tournesols, parce que ça se verrait trop, ce serait trop tape à l'œil. Ici, on a plutôt tendance à mettre, vous voyez, des grandes fougères, des herbes classiques, pour pouvoir habiller le reste de notre colline. Et j'ai plus... Ah si, ça, voilà, ma pousse d'arbre. Donc voilà l'idée, on va mettre des pousses d'arbres un petit peu tous les 10 blocs à peu près, hein, plus ou moins, c'est pas une science exacte. Hop, histoire de les éparpiller suffisamment. Ok, alors poudre d'os. Ah, très bien, j'obtiens des grands arbres. De temps en temps, ça c'est pas mal. Donc voilà, moi j'aime bien mettre des grands arbres parce que ça permet de donner une perspective par rapport à la maison elle-même. Mais honnêtement, c'est assez compliqué d'obtenir des grands arbres sur Minecraft. Il y avait une technique avant, mais j'ai l'impression que depuis quelques mises à jour, ça marche beaucoup moins bien. L'idée, autrefois, c'était d'utiliser des blocs comme ça, de pouvoir les mettre au-dessus des pousses et de faire une espèce de tunnel, vous voyez ? Comme ça, laisser la plante pousser au travers d'une espèce de tunnel, mais ça marche beaucoup moins bien depuis quelques générations, j'ai l'impression, de Minecraft. Donc voilà, c'est un peu au petit bonheur la chance. Hop. Hop, vous voyez, comme ça. Donc j'ai eu qu'un seul grand arbre, là, pour le coup, c'est un petit peu dommage. Voilà, je mets un petit peu d'herbe partout, pas trop non plus, pour pas que ça soit la forêt amazonienne. Mais de temps en temps... Hop, voilà, et on va pouvoir ajouter, vous voyez, quelques fleurs comme ça, quelques lilas, quelques fleurs, histoire de donner un truc un peu plus sympathique, un peu plus accueillant, une atmosphère un peu plus accueillante. Mais voilà, pas surchargé surtout, c'est l'idée. Quelques touches en fait de couleurs supplémentaires. Hop, hop. Hop, hop. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne avec un petit peu de recul. Alors bien sûr, l'idée, ce sera de refaire la même chose au niveau du bas et au niveau des autres parties de notre colline pour que ça donne, bah voilà, comme vous pouvez le voir ici, hein, que ça remplisse tout le tour de la maison. Et du coup, voilà, la petite dernière touche finale de la maison, ce sont les quelques petits, comme vous pouvez le voir, quelques petits bancs que l'on pourra utiliser avec quelques, donc des escaliers, des pancartes, que l'on pourra mettre un petit peu partout. Hop, vous voyez, par exemple, à côté de nos arbres ici. Vous voyez, trois blocs de large. Hop, ici comme ça. Des bancs très simples, mais qui vont avec le teint de la maison. Allez, vous voyez, voilà, par exemple ici sur le coin, hop, voilà, et puis en dessous ici vous pouvez en mettre de temps en temps, c'est pas, voilà, c'est juste la petite touche de détail supplémentaire, et on pourrait en mettre un ici aussi du coup, voilà, et après la même chose là-bas, un autre là-bas peut-être aussi, et la même chose sur tout le reste de la maison. Et du coup, là, je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il me manque encore quelque chose? Je crois qu'on est bon pour la maison, finalement. On a dû faire le tour. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour un autre tutoriel. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires quel type de tutoriel vous aimeriez bien voir. Et on se retrouve la prochaine fois. Bon jeu à tous, bon vent matelot, et à la prochaine.